Mr. Bennett's ready for you. Stanley! How are you, Mr. Bennett? Glad to see you. Thanks. Sit down. Have a cigar. Thanks. Stanley? What do you know about Livingston? Livingston? You mean the new bartender over at Joe's? No. I mean Dr. Livingston, the missionary, the explorer. Oh, Dr. Livingston. Oh. Well, now, if you'd read a good newspaper once in a while, like the London Globe... Read that. Just come over the Atlantic cable. The London Globe's expedition to Africa to find Dr. Livingston has just returned to Zanzibar from the African... Now, get ready. You're going to Africa. What? The dark continent. Mystery, heat, fever, cannibals. A vast jungle in which you could lose half of America. A land which even the greatest conquerors never dared penetrate. Alexander, Caesar, the pharaohs of Egypt, none of them. Unchanged, untouched, since the dawn of history. And somewhere in there, a grand old man, a man of God, who's given his life to spreading light in its darkness. There's your story. A real story. Le fleuve Congo, le deuxième fleuve du monde, long de plus de 4000 km, large par endroits de 30 km, révélé au monde par Stanley après un grand voyage d'exploration en 1874. Plus d'un siècle après Stanley, que devient le fleuve Congo? Quelle histoire nous raconte-t-il encore aujourd'hui? Peut-il nous entraîner jusqu'à sa source dans un voyage au plus profond de la mémoire et du destin de l'Afrique? Tala, eba lo kombo kombo, etonda na bika moa, pe ebande ya bomo. Yoka, mon peuple est à coléka, et va dina milimo, au katiyama. Tala, et balo kombo kombo, et ton danabi kamwa, pe bandelia bombo. Yoka, mon peuple est à coléka, et va dina milimo. Yebale gangu ya maya bomo okatia kombo ewana kochola akokela. Alors, il y a un monde qui est Mazayai, Imbuyai. Il y a que secret et un zame de Kounekel. D'abord, il y a un zame qui est secret mingi et un zame qui est Mazayake. En tant que Bakulu, il y a un zame qui est Zoulé. Sika bimina kwa mazi. Loro ba nyoka vandaka zingila kakuna. Ba nyoka vandaka zingila kakuna. Loro nyoka ina, beti nandinga, beti beti kebo kilaka yao nchama. Nyoka ina, lera anime vuanda, anime yunduka. Lera anime kuma, ke ajna andi ya kukatuka na plasi mekuka. Loro andi ke dumuka, andi ke sosa nzila kuenda. Mena lera andi ke kuenda, na plasi yostu ya andi ke lutila, andi fweti folume. Prayer. Ani mekuza kote na usai. Tindi. Awe ina ke. Lord, ba mazungu suya betike na kumano kimu formeke yao ba nyoka. Imaginons ce fleuve serpent. Un fleuve qui est beaucoup plus que le fracas de ses flots. Imaginons un fleuve intimement lié à son pays et à sa population. Un fleuve mère.
qui vibre au rythme des bonheurs et des tragédies du continent. Sur l'un de ces immenses villages flottants, quatre barges et leurs bateaux pousseurs partent à l'assaut de la partie basse du fleuve. 1700 km navigables jusqu'au prochain rapide. Ont-elles vraiment le choix? Ces familles qui s'installent vaille que vaille sur les barges. Le fleuve est la seule voie possible pour traverser le pays depuis que la forêt a repris ses droits sur les routes et le chemin de fer. Le voyage réclame une attention de tous les instants. L'équipage a beau connaître les pièges et les méandres du fleuve, le capitaine n'est pas à l'abri de l'absence de dragage ou d'une erreur de sondage. Donc, si les matelots font comme ça, c'est full. S'ils mettent 2, c'est-à-dire 2 mètres. S'ils mettent 1, c'est-à-dire 1 mètre. S'ils mettent 2, puis 2, ça signifie 2 mètres 40. Donc, à Lingala, on appelle Mibale, Namoke Mibale. Allez, ma boulou! Première escale. Les héritiers des derniers colons sont toujours là, au fond des forêts, à la recherche de bois précieux qui partiront par le fleuve vers de lointains continents. C'est à ce moment où l'emprise européenne referme son étreinte sur l'Afrique que, conscient de la valeur future des terres africaines, le roi Léopold II fait reconnaître, en 1884, par les nations européennes, la souveraineté qu'il s'est acquise au Congo par les explorations et les tractations de Stanley sur un immense territoire au relief varié avec son grand fleuve. C'est ce magnifique héritage de plus de 2 millions de kilomètres carrés,
soit plus de 80 fois la Belgique, avec ses inépuisables richesses naturelles et minières qu'il devait léguer à son pays. Tiens, juste garder ça, faire nos doigts, car alors qu'on a eu. C'est ici, ça fait. Na qualité ya commissaire fluvial yebani ke obanda musala ngokala okiko rappeler biso et puis biso biso a partir ba document ni musala comme sala ma document to sala ke zaina deux documents code de navigation fluviale plus 5 TP CP la police de navigation fluviale c'est les deux documents et biso to sala ka la code de navigation fluviale. Code de navigation fluviale. Mon ami, c'est ça, il y a Kala. Il y a des époques. Oui, tu as suivi depuis l'époque colonie. Tu as deux codes, tu as deux codes, tu as deux codes, tu as deux codes.
ndenge album ezali. C'est-à-dire à partir de Kinshasa jusqu'à Kisangani. Échelle, village, rivière, 1734 km. Alors, comme manque à carte Zalaki, c'est pour cela qu'on a destiné qui Koyo pour. Et puis ça, plus on a l'air au Léka. Il y a mal à moi, on ne suivre pas sa navigation. Alors on a 4 à 4, on a dessiné aux homonoyo et ça va il y a. Parce que ceux qui ont dessiné en côté, au tigre moto, peut-être au dos au chocolat, au dos à côté de la moussou. Nouvelle escale sur le fleuve. Et autres vestiges de l'histoire coloniale, l'université de Yangambi. Autrefois considérée comme la fine fleur de la recherche agronomique sur le continent africain, nous n'y trouvons plus ce jour-là qu'un professeur solitaire. Visitons le herbarium de l'INERA, Yangambi. Toutes les plantes sauvages sont bien conservées dans ces armoires. Notre capacité est de 150 000 échantillons, répartis en 550 familles et 5 555 espèces. L'herbarium de Yangambi, c'est le plus grand herbarium de l'Afrique centrale. Dans ces paquets, les plantes sont classées par ordre alphabétique de récolteur. Vous voyez ici, c'était récolté en 1956, au mois de décembre. Et puis, vous avez carré qui a été récolté au Katanga en 1927. Nous n'avons pas de produits de conservation. Si vous voyez un peu ici, il y a la poussière ici qui vient des attaques de blattes, et de certains insectes. Ici, nous avons la collection des oiseaux. Ces oiseaux facilitent la dispersion des plantes. Ils se nourrissent en général des graines. Ici, nous avons les calaos. Et puis, nous avons les perdrix. Ici, vous avez encore une collection d'oiseaux. Vous avez les aigles, qui sont tous du Congo, que nous conservons à base de savon, arsenicaux, qu'on introduit à l'intérieur. Siku inakuya, muzika weyo.
usiku inafika, tota mami na pashulale, tuniani maneno, tota mami na pashulale. Hapa duniani mambo mingi mtota mama, mapendo njo mwisho enye Mungu alituomba di. Yeah, yeah. Usiku inafika, tota mami na pashulale. Puissance spirituelle ou la puissance financière. Benguya et Misolo. Salomon, il avait la sagesse. C'est la puissance spirituelle. Salomon n'a jamais qu'une aguania en Guya n'aya molim. Mais pour soutenir son royauté, capona ko sunga ko fani sa voix. La puissance financière. Et c'est grâce à qui pensant béapé ça y est Guya Misolo. Si tu as la puissance spirituelle, tu manques la puissance financière, tu seras détruit. Et si tu as aussi la puissance matérielle, tu manques la puissance spirituelle, tu ne seras pas soutenu. Obéis à la parole de son serviteur et Dieu va accomplir la puissance matérielle chez toi. Avance-toi, tu mets ton 100 dollars et tu viens ici. La grandeur de ta bénédiction est en rapport avec ton prix de sacrifice. C'est une obéissance très impopulaire. Ils sont rares les hommes et les femmes qui s'élèvent et qui peuvent donner 100 dollars pour la construction de l'étang. L'obéissance très coûteuse.
que ce soit 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, jusqu'à 50 dollars. 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 30, puis nous sommes à 50 dollars. Avancez-vous aussi. Et je vais prier pour vous. C'est le dernier appel pour ceux qui doivent opérer en dollars. Écoutez, quand tu donnes les dollars, tu appelles aussi les dollars. Ouais. Les autres sont en prière. Nous prions. Allons-y jusqu'à 4000, 3000, 2000, 1000 et je m'arrête à 500 francs. À 500 francs, avancez-vous aussi rapidement. Tu menaces le voleur ou le diable. C'est lui qui vient avec des maladies. Je les chasse de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Allez-y. Les innombrables tracasseries administratives ont survécu à l'époque coloniale. Censées garantir la sécurité et les frais de maintenance et d'entretien du fleuve, elles sont aujourd'hui négociées contre monnaie sonnante et trébuchante. J'ai salué 25 ans de service de navigation sans accident.
na tola na lebale na zaka à l'aise na banga le mokote po d'abord na zane na mai grandi na mai donc na ebi mai ndenge ni les ali mai pe akosala ngelo mokote po d'abord ngai komona ngape mai lei na sunga wodo mai ya alors monique ça dit beaucoup monique balé soka dana mai problème zate mais mai soka kiti ba do bano kanga ma ba ni goloba omoni ke ba vie na biso ya kala bazala ko sala penda ba kisi mais musala biso mai na musala calcul za musala bic donc kisi za importance moko calcul donc bic c'est tout ah. Yo wana ola fi moi dans mes tenants auto au comi moto Yeah 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 Dokole kao Lo leso lo leto Dokole kao Kangola mukina tongo pesa Moto ya pesa yo bomoi Naye botondio Je Je Mein Dombé, eau sombre, eau de deuil. Le fleuve est impitoyable et parfois colérique. Il a dévoré ses propres enfants. Non, nous avions trois moteurs. Maman, tu peux répondre bien, tu as embrouillé. Le deux moteurs en panne. On s'est retrouvé à un moteur. Et lorsqu'on a vu deux canaux rapides, que là, on ne sait pas à partir de cela qu'on a eu cet accident. Salakatina biso namboka na Congo babeli babika bakangami bakangwama hey awe umama zamela biso kumama Mopesi na pema kumama Na yembeli yoye kumama Longa kongo kumama Zambe na biso kumama Mopesi na pema kumama Na yembeli yoye kumama 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 Malala mako Thank you.
Mais ça bien dit, vous savez ça bien dit. Parce que ça là, on gagne dans les autres là. D'abord, on couto, à droite à tourner, sur 1 mètre, sur 2 mètres. Ouais, à droite ça. Hein? Vous savez pas ça là quand dingue on la terre. Vous savez quoi? Organisation des armateurs pour mettre le bête avec les hommes. Même au Soumouki, même au Bouki Mobeko,
Ce qu'il faut reconnaître, ma belle Ayo Kiti, nous avons toujours à Zokotombo. Amen. Alléluia. Amen. Le fleuve porte en lui l'esprit des eaux. Convaincu que cet esprit est à l'origine de la maladie du sommeil, les malades négligent de se protéger de la mouche tsetse et de son venin. Tous les villages sont déjà déclarés endémiques. On a déjà une fiche qui est un cas par village. Et souvent, ils passent deux ou trois jours au cours des routes avant de nous atteindre. Et c'est peut-être de ces buts que beaucoup meurent à la maison. Ça, pour autant, être pris en charge. Vraiment, c'était catastrophe. Comme il y a plusieurs mouches, beaucoup de mouches ont infecté beaucoup de gens à partir d'elles. Nous avons plusieurs gens ici qui sont devenus donc des fous parce que les trypanosomes ont atteint le cerveau. Ils ont un peu rongé les méninges, ils ont coupé plusieurs nerfs, alors ça a laissé des séquelles. Trois fois par an, le tam-tam résonne, appelant tous les indigènes de la Ngiri vers l'île du chef. Le médecin est annoncé. Il arrive. Le médecin commence son travail. La foule s'est rangée docilement. Les infirmiers noirs installent les microscopes. Le médecin passe et il examine chacun. Avec une aiguille, on extrait du ganglion un peu de liquide. Si l'infirmier découvre un trypanosome, le microbe de la maladie du sommeil, il appelle aussitôt le médecin pour vérification. Au microscope, on aperçoit le microbe s'agitant comme un serpent minuscule au milieu des globules du sang. Kasi oyo ya pongi e ibokono sile sima yele pe na biso na bokoko. Kokanisa ndoki, kanisa fonoli, kokanisa minama po ekobando bele boyo te tango ya moto olembi okalakali na kokufa pe okufi. Peto awa tomoni to so yebi yango malamu baliwa mingi kati na mboka na biso oyo tolobaki te bandoki tobandi kobeta te mbe biso moko te solo ezali ndoki te ezalba ebokono oyo na pongi. Oh, la gloire au Shekina. Il cause la moto, il n'y a qu'à Banzé. Quand tu vas à Kolekareka, pour la Kurukabao, Bazaï Kobena, Bayaka, Piba Kutaka, Babeli, Mpeli, Koni la moto, Linga Kabango, Babandera Kanzambe Nalola, Mpeni Zambia Kitaka, Ayaka et Penabango, Atalaka Pia Pesaka Angolo Boko, Adubanisa Gerikuna Mango, Mbakisa Kanguya, Katina Mokona Moko, et Yazuaka, Kimiampe Peto, Katinae, et Yazuaka, Bomesani Pona Kobondera Kapetan, ou also, Lokola Yekolo, Abonderaki, la commune sous-cuisine de Mongo. Amen. Mais aujourd'hui, tu as quel âge? 42 ans. Tu as une femme et des enfants? Oui, j'ai une femme, trois, cinq enfants, trois sont morts. Je reste avec deux enfants. Ils sont morts de quoi, tes enfants? C'est mort par la maladie. Quelle maladie? Je ne sais pas.
Ma femme aussi a la maladie de Pongi. Ton épouse a la maladie de sommeil. Mm. Elle est où? Elle est déjà morte. Elle est déjà morte. La seule protection contre ce terrible fléau était le féticheur. Fatana na ushuhuda wake mwenyewe, tunaendelea kumbatiza siku za leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu, tunamwombea nguvu mpya. Roho wako aendelee kumuongoza na kumtawala anje na mwendo mpya. Ndani ya maisha yake atembee katika ushindi. Awe mtumishi ambaye atakutumikia na maisha yake. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Alors, na kumisi mama a beti bati mwasi nanga na denge a boteli ngai trois fils wana bo na ebite kaloni no ngana ko pesa ye oya moko ya ah komanda sa iko botelengi na chaque barge a pesi mo eloko moko 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 ka bula ndambu ndambu ko timo ya mobali. C'est bien alors, nous sommes tout le monde contents de ça. C'est pour cela que nous chantons l'aide, 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 c'est-à-dire que résister, résister. Montez. C'est-à-dire mettre au monde de Dieu. Mangro Godo. Tu sais Mangro Godo, c'est-à-dire courage. Na
Ils sont venus demander le secours. Ok, bien noté, Jeter. Même la chose a problème à aide. Dans la population, moi, je continue à quitter, à Benda. On est là, tout ça, on navigue, on est sur le lac, on est là, 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 on Ah, on a regardé des vidéos, attendez.
Mais on a fait maintenant 2 jours. Donc, elles n'ont rien mangé. Pour le cas, moi, ma pêcheur, pour Baya, tout le monde va rouler. Ah, pour ma chère, je vous m'en ai déjà. Ils ont contenu la conjoncture en Boca. Moi, ils ont privé. L'État, vous m'en ils ont reçu vous matin. Et au moment où ils se présentaient, il y a un tomate. Parce que, au moins 2 semaines. Le fleuve est intraitable pour ceux qui sous-estiment sa puissance. Il retient les bateaux échoués des mois durant sur ces bancs de sable. La barge restera abandonnée pendant 3 longs mois.
Mais c'est envahi. Totalement. Oh, nous sommes ici engloutis dans les herbes, dans le château inachevé du maréchal Mobutu. Et l'historique de ce château, c'est que Mobutu a grandi ici, dans la ville de Mbandaka. Il a quand même décidé, vers la fin de son règne, de se construire un beau château ici. Ça m'inspire beaucoup de choses. D'abord, l'orgueil d'un homme qui voulait peut-être monter une sorte de tour de Babel ici, parce qu'il savait que le pays n'avait pas de moyens, le peuple était dans la misère. Vous connaissez, les maraîchers avaient de goût du luxe très insolent. Ça m'inspire ça d'abord. Et ensuite, aujourd'hui, un éléphant blanc qui ressemble à un monstre. L'initiateur parti et le reste est en ruine. C'est très dommage. Depuis 1965, le citoyen Mobutu Sese Seko préside aux destinées de la République du Zaïre. Quand on ne le trouve pas dans les bureaux de la présidence à Kinshasa, c'est qu'il travaille ou se détend sur son bateau, le MS Kamagnola, qu'il rejoint le plus souvent par hélicoptère. Mbandaka. Toujours sur le fleuve, Kinshasa. Le Mont Galima, sous le fleuve Zaïre, ma résidence. Beaucoup de souvenirs. C'est une espèce de trait d'union entre les peuples zaïrois. Plus qu'un simple trait d'union, c'est notre colonne vertébrale. Le fleuve, c'est le pays. Il est lié à son histoire. Il porte le même nom. Le fleuve Congo raconte la folie des grandeurs, les décombres et les tragédies. Patrice Lumumba, premier ministre et héros de l'indépendance, fut trahi par les eaux. Pourchassé par Mobutu et les puissances étrangères, c'est en traversant le fleuve qu'il fut finalement capturé, puis assassiné. Les flots ont englouti le rêve indépendantiste. Mobutu, lui, avait compris le pouvoir du fleuve. Il y avait installé ses palais. Mais après 35 ans de règne, le fleuve reprit le dessus. Mobutu est mort d'avoir trop utilisé les génies de l'eau. L'histoire a basculé, laissant sur les rives des vestiges en ruine. Vous avez des pylônes dans la ville de Mbandaka. Voilà. Oui, je vois. C'est ce qui fait rire. Vous savez, il y avait un contentieux entre le feu maréchal et cette ville. Alors, il s'est posé un problème de l'électrification de la ville de Mbandaka. Il y a eu une pression très forte qu'il a envoyé ses pylônes. Il y a eu une inauguration de ses pylônes avec faste. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que nous attendons les câbles, mais qui sont peut-être en route, en train de venir. Mais la vérité, c'est que rien n'est encore fait jusqu'à ce jour. Vous voyez le mensonge du dictateur. Et je me souviens, à cette époque-là, tout le monde a festoyé parce que le digne fils du coin va nous ramener du courant. Et jusqu'à ce jour, nous attendons ce courant qui ne vient pas. C'est ça, la tristesse, le sinistre. Lui-même savait que ça n'allait pas venir. Mais les gens ont nourri, fondé beaucoup d'espoir sur ce projet.
Et il est très difficile de remonter le moral de ce peuple. Même s'ils se disent mobutistes parce que le fils est du coin, mais ils disent, mais c'est que nous n'avons pas eu pas Mobutu pendant 32 ans, qui va nous les donner? Le cours régulier et puissant des flots s'achève. Rapides et cascades mettent un terme à la navigation. Le fleuve impose son rythme, son énergie. Seuls les piroguiers bravent le courant. Pour rejoindre la partie haute du fleuve, là où il devient infranchissable, il faut le contourner par les terres. À l'écart de l'eau, des hommes y survivent, sur les vestiges de la colonisation, sur l'illusion de la prospérité passée, d'une époque d'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc. En 1909, venant du sud, apparut le grand bateau à feu. Entre les différentes régions du pays. Mais le fleuve est impraticable à cause des rapides. C'est pour ça que le chemin de fer joue un rôle très important, un rôle de jonction entre les deux parties du fleuve pour permettre pratiquement une continuité de communication, de déplacement, de transport entre l'aval et l'amont du fleuve. À la fin de l'époque coloniale, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais nous pensons que l'activité était tellement intense qu'on devait avoir minimum 4 trains par jour. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Ça fait 6 ans que nous sommes à l'arrêt, donc depuis le début de la guerre dans ce pays. Ajouté à cela tous les effets de pillage des années 90-91, nous sommes complètement à l'arrêt et c'est à peine que nous essayons de redémarrer grâce aux efforts du personnel, sans aucune assistance de nulle part. Actuellement, on procède au désherbage.
une façon de reculer un peu la forêt qui avait repris ses droits sur nos installations. Et les herbes, le sable, par manque d'entretien, ont envahi toute la voie. Alors c'est ce travail-là, nous attendons à un travail de grande ampleur, beaucoup plus loin, tout le long du chemin de fer. Et nous sommes déterminés à le faire. Sur combien de kilomètres ? Sur 125 kilomètres. Dans ses souvenirs, le général Van Germée, premier gouverneur du Katanga, écrivait ces phrases prophétiques. En m'éloignant et en écoutant le grondement des chutes, il me semblait déjà voir tout ce travail naturel, inutile maintenant, transformé en énergie électrique. Là, fonctionneront des usines à cuivre, et là, des fours à étain. Et entre tout cela, des lignes de chemin de fer serpenteront. Et ce sera la houille blanche qui mettra tout en mouvement. C'était le 20 juillet 1907 que je faisais ce rêve. Ou plutôt que j'avais cette vision. Le continent noir est tiré de son sommeil millénaire. Entasser les barils d'huile de palme, les lingots de cuivre et d'étain, charger les cargos, emporter les ballots de jute, les monceaux de copal, envoyer les diamants, le radium, entasser les marchandises dans les wagons, charger les cargos. Voilà ce que font les petits-fils des féticheurs, des chanteurs d'incantations, des danseurs de rondes guerrières. La chanson du travail. Oubliés du fleuve sur le contrefort des carrières, des creuseurs sans âge. Ils fouillent les résidus de cuivre et de cobalt. Je suis venu à la maison.
sana kuya panjo tumika salamati. Mu hivi tunatumika kama tunapata makuta sengine tunauza manguo, mapapa biote. Ukikuyo huko mnatumika makuta, siku nyingine mpate, siku nyingine mnapata. Yanze. Papa, tu quer achar que viajar? Alikuwa ashakuvayaje chukwenda ukisengi. Hapa ashakurudia, tukupa kwa mkariere. Masomo nisha kacha. Papa ile saa vayajaka, mama shukanzote kwenye ripi. Une fois passés les rapides, nous repartons sur la partie haute du fleuve, dans ces régions incertaines, en proie à la violence. Mate pande to ibela ki ngoli boso bato bafandi bazako sa wa peshi ti tango babitumbe komeli bango ekoma ki makasi mingi ya babitumba bato babomani basoda babomanya nde bamona ikileki te siku basundula ki mboka batiki yango komi kofanda basoda ti le landing za ina biteo wana babibimbi ebwaka mi na mai bamisuba kundaki yango na zamba bamisupi basundula ya zamba nde bapolaki Oui, bah, comme ça. Armée étrangère, faction rebelle, milice Mai Mai. Durant ces longues années, les guerres d'occupation et les guerres civiles ont ensanglanté le fleuve. Qui dira le chaos? Qui dira le vrai chiffre des morts? Qui dira les richesses pillées? L'odeur de la malédiction nous colle à la peau, même si le fleuve purifie le sang des victimes. Yo! Yeah! 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 Yeah!
Nous sommes traumatisés. Même tous ceux qui ont perdu leurs membres de famille, comme d'autres aussi, tout le monde est traumatisé. Puisqu'il y a toujours des situations répétées de guerre à tout moment. J'ai vu toutes les guerres ici à Kisangani. Nous vivons toutes les guerres. La première guerre, d'un jour, de trois jours et de six jours. Et puis nous avions, le dernier jour, le samedi, c'était impossible de supporter. Nous sommes réfugiés à quelques kilomètres d'ici. Et le dimanche, nous sommes revenus. On a trouvé des corps qui étaient exposés partout. Et ça, ce sont des preuves pour nous que ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. Uwaii ba cimetière hii munaona cimetière moya sasa ile iko na batu ata 100 moya makumi sita makumi tano cimetière moya bale batu balikuwa biko azika bao ndani ya chassé mtu iko anakuwa kidoko hivi bana batiatia batu moya batu ndani ya chassé ndio banakuwa kutupa tupa kule sasa koni. Et balé, les alliés en Zambie. Donc, les balés alliés en Zambie, à Bota qui bisou batou na moukiliase, pour que toi koubika na se ya moukilo. Tant que bitoumbe yaki, moussala et bonga qui soutenait pour etoumbe zeka et tout. Tant que bitoumbe yaki, moi tout ça va pêcher au bout et zaki sou bien. C'est à tout comme quand on a bazam. Tant que tu as un bazam, tu vivras comme un abou. Vous savez, moi qui ah! Nous appelons qui m'a cassé pour bongape, mais nous avons dit que nous avons fini la carte à Zambati, ou Yemalembeti, ou Kitinebal. Nous avons un pêche rapide, tant que c'est un pêche rapide, pas aussi moins bici. Nous avons sauté la carte à Zamba, nous avons dit que nous avons sauté. 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 Nous avons dit Bouvandi kaka ndengi wana mwana polika kana resusa upolika mali burugwe otio zipika kana bouvandi bo sirampe bibembe peza kuchula pe bele yangoni tomoni bibembe choli pinjande bele bandanga na bota mape ezo chula neto ndire bakungwa sikobu. Il y a des gens qui m'ont dit. Ils ont dit que nous sommes en train de nous faire un peu de choses. Nous sommes en train de nous faire un Vous avez tombé. Allons, Koutou, à nouveau de Kisangani. Je vais bombarder. Je m'écoute. Vous descendez aux maisons, au Lubumbashi, à Kananga, les mandatiers. Vous avez bombardé. Soyez clair. À ce village de Londo, et tout le monde, c'est moi, la cicatrice. Voyez, ça c'est quoi ça? Ça c'est un malade des Congolais. Puisque si le Congolais est très pauvre, riche est la capitale, pas ici, au niveau de Kisangani,
Je regrette beaucoup à ce village de Sangui. Quel malheur congolais! Le village ici, il est mauvais. Je suis un peu plus de temps. Conseiller ya l'osphère. Kutumba la mungu. Ozaki kosa msala nini? Ozaki conseiller ya l'osphère. Kasi na libota na kati na ndako makambo nini yo sali. Makambo ngo na sali na tia kikisi na ndako poke ba papa na mama ba ndako kuoka na te. Bo na tipe ba kisi na nga na moto ambeto ya chambre na nga ulalala. Na tangu wa bitumba mkolo ya bitumba ya mkolo moko sio zaki ndoki tangu wa bitumba mkolo moko zaki le 14 Mei na masakre ndio zaki ndoki eh bona masakre hayo bomo kiba tubona ama ki 30 person 30 o maki ba ndingi e komika kaneti ke masasi ndee zwi moto bie ba ba sordande ba bomi kumbi ezangai. Yo, zaki kusala ndenge nini po moto wana kufu. Soki par exemple neti basolo ba andako kata bato kingo atie motema moko ke epusa kaka yake ndikuna na po akinde na po akinde na po ke aki mabitumba tango siko akei tango akomi kuna kutena ba rwandana na po nde siko ba rwande ba bomi komi ka ki basoda ndi ba bomaki onzi mi penza ya solo ke soki tobonde nipo na yo kozwa lubiko ndimi esa ya solo na kubika. Continue quoi, un paillet sur Christ sur le col à mobile qui s'en aille au bandalé long. Continue. Bon, au temps, vous en avez aussi continué. Vous allez dans la bagnonne, vous êtes deuxième monde. Yo, moni boni, pour la babylone, on a bango, vous en avez un goût. Tu es de kuna, nanda, qu'on a vu une seule biso, n'a vu une seule bino bilo, qu'on go, au tombi, au bon délicat, on go, au tombi, au yanga ici. Moto nakati na biloko na pamba oyo tina bosoto na mwisata na ngopa pato ke kobela moto oyo moto tokotie ezala elimbu kasi moto oyo tana lola pona kotumba kozikisa ebebisa nyonso na kombo na historie ano Progressant vers la source, nous rencontrons le général Kabambe. C'est un héros de la résistance et le chef historique des Maïmaï, ces guerriers traditionnels, eux aussi enfants du fleuve. Lévitique 26, 7, 8, 7, 8. 7, j'ai fait lecture. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée.
5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Moi, j'avais 5 militaires. Ils combattaient avec une compagnie organique de 180, de 175 hommes, de 185 hommes, de 200 hommes. Et ils gagnaient toujours la victoire. Ils s'y plantèrent toujours, les ennemis. C'est la grâce qui vous protège. Oui, oui, c'est la grâce. Donc c'est une aubaine providentielle qui m'était tombée du ciel. Une aubaine providentielle. Une grande nation s'élève des extrémités de la terre. Ils portent des lacs et les javelots. Ils sont cruels, sans miséricorde. C'est comme ça, la guerre, on est la guerre comme à la guerre, c'est comme ça. Ça, vous le savez, vous n'êtes pas sans doute. La guerre, c'est sans miséricorde. Oui, oui. Bon, moi, je suis un bibliophile. En fait, je ne suis pas un théologien, mais je suis un bibliophile. Je vous l'avais dit que cette histoire, c'est une histoire purement spirituelle. Il n'y avait personne qui m'avait séréné la Bible, mais je suis en train de la compliquer comme ça, c'est comme ça. Il n'y avait personne qui m'avait appris. Ça, c'est une inspiration. Comme on a dit, c'est une révélation. Oui, c'est une révélation aussi. Donc, j'ai toujours des références bibliques. Ça y est, d'ailleurs, dans Jérémie 6, 22, 24. Oui, un peu comme Moïse. Oui, oui. Moi, je suis Moïse. Comme Moïse. Vous êtes Moïse pour le peuple. Pour le peuple congolais. Non, pas de manière, mais le peuple congolais. pas de manière, mais pas tout aussi. Pour le peuple congolais. Moi, je dis, je suis le chef Maïmaï. Vous voyez, je suis porteur d'un balai. Parce que chez nous, c'est un symbole de nettoyage. Quand vous voulez balayer, enfin nettoyer une maison, vous utilisez le balai. C'est la raison pour laquelle je suis investi. Je suis muni d'un balai entre les mains. Et ce balai symbolique, c'est pour nettoyer quoi? Bon, moi, quand le Maïmaï donc était là pour balayer quoi? L'agression. C'est ça, c'est un symbole des balais, des balayés, les ordures. C'est ça, c'est la signification de ces balais que j'étais envoyé. Alors, un chef traditionnel, il a aussi. Il doit avoir une grande descendance. Oui, j'ai des enfants, j'ai des femmes aussi. Combien? En myriade. Toute une cathédrale de femmes, comme Salomon. Comme Salomon? Ouais, oui. C'est vrai qu'on dit que les Maïmaï peuvent faire le combat nu, par exemple. C'est écrit dans la Bible, monsieur. Dans l'Isaïe, chapitre 20, verset 3, 9, quand les Maïmaï combattent, ils sont nus. D'accord. On dit que vous utilisez aussi les fétiches et que ça vous protège. Non, quand vous dites fétiche, c'est très... Donc, loin de cette idée iroquoise et loufoque, mais c'est tu ris, hein. Quand vous dites le fétiche, ça... C'est trop fort. Hein. C'est vrai? C'est une révélation. En tout cas, ça, c'est une révélation spirituelle. Mais l'idée que l'eau vous protège, par exemple, que vous pouvez combattre nu et que vous aspergez d'eau et que l'eau vous protège, ça, c'est une réalité. Donc, c'est écrit aussi dans la Bible. Compilé Apocalypse 22, 1, 4. Apocalypse 22, 1, 4. La Bible nous dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme de cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Plusieurs personnes nous ont parlé qu'il y avait quand même eu parfois des problèmes, que des femmes avaient vécu des sévices avec des Maïmaï. Vous êtes au courant? Vous savez que
conduire, diriger une bande de... des goujons, une bande de goujons, des malotries, des hommes qui n'ont pas eu les formations militaires, je mérite d'avoir un coup de chapeau, monsieur Michel. N'est-ce pas? Parce que, regarde, recruter toute une bande de goujons, des malotries, et diriger pendant 5 ans, sans qu'il y ait de génocide, vous pouvez me féliciter, me congratuler. N'est-ce pas? Alors, moi, vous savez, les Maï-Maï étaient mes hommes, mais je ne sais pas. Hein. Moi, j'avais toujours le respect des décalots. Parce que les Maï-Maï, les interdits des Maï-Maï, c'est de respecter les 10 commandements de Dieu. Alors, il y a les autres qui avaient agi, fait de la gaffe. Moi, je ne suis pas responsable. C'est ça. Les guerriers Maï-Maï croient au pouvoir du fleuve. Lors de leur rituel d'initiation, ils invoquent le nom du héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Grâce à sa protection et à la magie de l'eau, les combattants deviennent invincibles. Hata mpanga wanaweza kukupiga, haita kufanya kitu. Silaha wakati wanapiga masasi, masasi inapita na ingine na kugusa inaanguka chini. Tunaweza kuwapa mfano wa maneno mengi imekusha kupitika. Ninaweza kumuita general na muangalie fasi lisasi iliingia kumwili wake. Mage. Wanapiga mage kwa mgongo wake. Mage inaingia, inatoka, inaingia, inatoka, inaingia, inatoka. 25. 25 masasi. Kwa Mukobya, mugini Mukobya. Le 16 juin ndio walimpiga. Lakini asingelikuwa na dawa, asingelikuwa na dawa hangeumia. Ni kusema masasi haiwezi kufanya kitu. Mupanga au kisu haiwezi kufanya kitu kama unakusha kupaka majimaji. Mpaka wakati tunaua adui tunaweza kumutosha mavazi yake na kumuchugua vyote alivyo navyo. Na kuna sasa kitu kingine chenye munapenda kujua. Dawa ile tunaingia kwa hayo wakati tunakuwa katika vita na tunasikia shindo ya bunduki, tunakuwa kama umbwa wakali, umbwa wenye wanakuwa wagonjwa. Ile dawa inatupoteza akili. Sababu sasa tunakwenda kwa vita, tunakwenda kwa vita. Na kama tunatoka kule kwa vita, tunakuwa sasa na hali isiyo kuwa sawa. Inafikia mtu mwenye ana tena roho ya kujichunga, anaweza baka mwanamke lakini hairuhusiwi. Hairuhusiwi hata kidogo. Hairuhusiwi. Na kama ilifanyika ni kwa mwenye hakutii. Na ile dawa vile vile inafaa kujua kama kitu chenye kinakufikisha ugeuke, uruke, ukue mkali kuliko vyote. Njala wakati iliingia kai kwenda kupori
Tulienda mimi na bwanangu kufika kule kumaliza kuchuma sombe. Shia sema tubebe tukuye banachomoka kia kutukamata. Bamwambia mwanaume aikale hivi na mimi bakaanza kulala na mimi. Kuna pita wanaume ine, watano anaanza kupita. Mwanaume analalamika sema mtaniuia mwanamke. Ndio kugeuka kumpika ile sasi. Na mimi bambakia banatembeana na mimi na banaenda na mimi kupori. Maiti ya wanangu kabakia pale. Nikusha zala na wanangu watoto tano, nikabakiana nabo. Jamaa ya bwana mpaka hivi, hainiangalie macho. Maike nao huku gesi baliharibishaka huku, na njoo maana leo nafika mkupata operasyon juu ile bito nye baliingiza ingiza humu ndani. Sasa nani yuko na kuchunga hapa? Niko na nchunga hapa ni mama. Mama? Sasa jamaa ya bwana yako? Jamaa ya bwana wangu hakuna, hata mama alishafika wala na hatafika. Kwa ajili yangu ndio maana mtoto wangu alikufaka. Ces femmes peuvent être attrapées du groupe qui est dans le front comme du groupe qui est dans la forêt. Et puis, il s'est créé, c'est comme un plaisir pour tous les deux groupes de s'attaquer aux femmes. Ils connaissaient aussi, il y a des fois, on connaît aussi le mari. Le mari peut être des cas de militaire, le mari peut être des cas de maï-maï. Alors, si c'est un cas de maï-maï, les militaires veulent s'attaquer à l'épouse. Si c'est un cas de militaire, le maï-maï veut s'attaquer à l'épouse. Voilà cette petite fille-là qu'on a violée et qui a moins de 6 ans. On l'a arrachée des bras de sa mère quand elle fuyait les atrocités entre les groupes militaires. Alors, on l'a violée de manière indescriptible, si bien que... Les organes génitaux et les rectums étaient ensemble, tout était ensemble. Elle aussi, elle avait été violée en fuyant les combats. C'est pour ça que j'avais dit que ce n'était plus seulement pour satisfaire les besoins, mais peut-être dans un but de détruire, parce que je ne vois pas le plaisir qu'on peut avoir en violant une petite fille de moins de 6 ans. Voilà cette autre-là, qui ne sait plus déjà marcher maintenant, puisque... Nous estimons qu'il y a eu peut-être une fracture quelque part qui a mal consolidé. Peut-être qu'elle voulait opposer une farouche résistance pour qu'on ne puisse pas la violer. Alors les gens ont utilisé leur force. Et à partir de ce moment-là, elle ne savait même pas ce qui s'était passé avec elle. On nous l'a ramenée ici dans un état de conscience. On l'a soignée, elle l'a récupérée petit à petit. Et nous estimons que maintenant, elle commence même à sourire un peu, ce qui nous fait grandement plaisir, parce que c'est une fille qui a fait presque 3 mois sans jamais sourire à quelqu'un. Et nous avons aujourd'hui à peu près 2012 femmes qui ont été étiquetées, consultées par les médecins et révélées comme étant effectivement des femmes violées. Il y en a au moins 86 maintenant qui ont subi une intervention chirurgicale. Alors, parmi les interventions chirurgicales que nous avons eu à effectuer ici, ce sont souvent des fistules, parce qu'il y a effectivement la notion de violence, de viol avec empalement. C'est-à-dire, après l'acte sexuel, on utilise les morceaux de fer, ou bien des tiges, ou bien des clous, ou bien
Parfois, ce sont des barres de fer qu'on introduit, ou bien des bois qu'on introduit dans les organes génitaux de la femme. Alpha na Omega, nyakati ni zake, katika miaka yote, milele na milele. Amen. Chers frères et sœurs, les célébrations pascales nous rappellent bon gré mal gré que notre pays et la nation congolaise ont entrepris un processus de résurrection, de relèvement et de renouvellement. Il nous faut enterrer le vieil homme avec ses pesanteurs, ses habitudes invétérées et ses pratiques impénitentes, pour devenir des hommes nouveaux. Cependant, il ne suffit pas de s'accommoder d'une transformation purement épidermique à la manière des serpents de nos forêts, de nos savanes, qui gardent toute leur nature venimeuse et perfide. Il nous faut plutôt viser à une transformation profonde, une vraie métamorphose, à l'instar des chenilles. La République du Congo, chers frères et sœurs, ne pourra jamais se relever si chacun et tous ensemble, nous voulons mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ou bien coudre une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement. À vin nouveau, outre neuve. Nous ne pouvons sauver le pays en perpétuant les antivaleurs et la médiocrité des trois dernières décennies. Chers frères et sœurs, ne perdons pas courage. Nous sommes sûrs de la victoire finale, dût-elle tarder à venir. À tous, et à toutes, mes vœux les plus ardents de joyeuses Pâques.
Makanisi yambuka maliki ngai Tokende kipo na koluka momoi Nikolo nyoso seko kimambangu Aba komo seko lela lela Ai tikaliko zunga Makanisi yambuka maliki ngai Makanisi yambuka maliki ngai Odi Odi Twaiya tweba Twareta benyi Bafuma parepa Bana bobe bafuma kisasa bazungu ni bantu bafita bayiyamba tukamone source Congo cyobananga mba tukamone mwibende shebija bakambore bakindoro bawagushirwa kafapo kikwabone mwibende shetu cyawama twasanta mwane kuyi Siku inafika Mtota mami na pashulale Dunia ni maneno Mtota mami na pashulale Makila ponio Etangi na ebale Milimo ponyo ebungina kongo Toko zela kase nguya yankolo ya kusalisa biso Tangwa ngwe kokio mwana kongo Ungisa mboka nayo We Congo, Shimama. We Congo, Shimama. Toko malokola, anyama bako kimana kati ya zamba. Toko ngazela. Tobo yango, Tolinginde toko maloko la batu mususuo Nalimemia, nabwanya yo Kungu nanga mawai We Kongo, Shimama We Kongo, Shimama